Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode, nouvelle saison du balado du Dr. Kin. Donc, après quelques semaines de pause de balado et de travail intense sur d'autres choses, j'ai décidé de revenir cette fois-ci dans un format de fin de semaine. Nouvel horaire oblige. Donc, fort probablement que les prochains balados vont toujours se faire la fin de semaine et ça risque d'être le samedi après-midi. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à nous sur cet épisode dans lequel je vais aborder comment travailler avec des suppléments nutritionnels. Donc, on m'avait posé la question à savoir quels suppléments je devrais prendre, quels sont les suppléments qui sont bons, pas bons. Par le passé, j'avais déjà parlé entre autres de la créatine, donc j'avais fait un balado complet là-dessus. Mais je trouvais ça intéressant de peut-être de changer un peu la perspective au niveau de la supplémentation. Donc, les gens veulent toujours savoir quel supplément je dois prendre. Et malheureusement, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc, c'est y aller avec la finalité. C'est pas tant le supplément qu'on devrait choisir, mais bien identifier nos besoins. Donc, dans le balado d'aujourd'hui, je vais présenter un petit peu comment moi je travaille avec les suppléments. Donc, c'est sans prétention, vous en prenez, vous en laissez. Mais peut-être juste pour savoir quoi choisir, puis aussi d'avoir une petite structure pour être capable d'évaluer l'impact réel du supplément donc sur nos performances. Et est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser ou non? Et aussi, quoi cibler au niveau des suppléments? Donc, quels sont les éléments qui sont importants avant justement de commencer à s'aventurer sur cette piste-là au niveau de l'entraînement puis de la nutrition? Alors, petit rappel, donc si jamais vous appréciez, si jamais vous aimez le contenu, vous voulez m'encourager, c'est super le fun, vous pouvez m'envoyer un chèque ou encore vous pouvez tout simplement faire like et partager la publication, donc c'est super apprécié. Vous pouvez également poser vos questions. J'en profite même dans les commentaires, allez-y pour me dire que ça fonctionne, que vous avez toujours le son et l'image pour éviter que je parle tout seul devant un écran pendant la totalité du podcast. Donc, gênez-vous pas pour faire sentir votre présence, commenter et tout le tralala. Alors, les fameux suppléments nutritionnels. Donc, c'est très polarisé comme beaucoup de choses de nos jours. Donc, les suppléments nutritionnels, il y a beaucoup de gens qui vont être systématiquement pour, systématiquement contre. On l'utilise, on ne devrait pas. Certains vont dire dans l'entraînement, c'est essentiel si tu veux réussir. D'autres vont dire, tu peux retrouver tout dans ton alimentation au quotidien, tu n'as pas besoin de suppléments. La réalité est, comme à l'habitude, beaucoup plus nuancée que ça. Donc, la supplémentation, ça peut s'avérer un outil très intéressant au niveau de l'entraînement, au niveau de l'activité physique même, comme ça peut être quelque chose qui est totalement superflu. Donc, comment on fonctionne lorsqu'on va travailler avec des suppléments? C'est comme avec beaucoup d'autres approches. Mais il faut, dans un premier temps, identifier c'est quoi les facteurs, quels sont les facteurs limitants dans notre performance? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser plus? Ça, c'est vraiment, vraiment la première étape. Si on n'est pas en mesure de répondre à ça, eh bien, l'usage de suppléments, ça va être quelque chose qui va être à tâtons, ça va être quelque chose qui va être aléatoire. On va supposer que magiquement, le fait de prendre un supplément, ça va améliorer nos performances. Eh bien, si le supplément ne touche pas un facteur limitant dans nos performances, eh bien, il n'ira pas nous aider. Donc, c'est vraiment un élément qui est critique initialement dans le processus de bien cibler, de bien savoir qu'est-ce qui m'empêche de progresser. Et à ce moment-là, après, on peut regarder est-ce qu'il y a des suppléments qui peuvent nous aider à ça. Trop souvent, lorsqu'on va parler de suppléments, on va vraiment cibler des produits en partant. Donc, on va dire, moi, j'ai besoin de poudre de protéines, j'ai besoin de créatine, j'ai besoin de tel autre supplément, sans nécessairement savoir si on en a réellement besoin. Donc, on va regarder ou on va écouter qu'est-ce qui se dit à propos du supplément. Par exemple, ah ben oui, la protéine, si tu veux gagner du muscle, il faut absolument que tu en prennes. Donc, si on veut gagner du muscle, on va se dire, ben, je vais prendre le supplément de protéines. Comme ça va m'aider. On sort beaucoup, beaucoup d'étapes. Donc, comme je le disais, initialement, on veut faire vraiment l'inventaire de c'est quoi qu'est-ce qui me limite dans ma prise de masse musculaire? Qu'est-ce qui me limite dans l'augmentation de ma force? Qu'est-ce qui me limite dans l'amélioration de ma capacité aérobie? Qu'est-ce qui me limite dans ma diminution de ma masse grasse? Donc, il faut vraiment s'atteler puis faire un exercice d'introspection puis d'essayer d'identifier les facteurs les plus limitants. Donc, bien souvent, on va remarquer des facteurs limitants au niveau de la récupération et on va remarquer des facteurs limitants au niveau de la performance proprement dit, au niveau des entraînements. Donc, ça se résume comment? Bien, la performance comme telle à l'intérieur d'un entraînement, bien, il faut regarder
quand est-ce que j'arrête de faire mon effort et pourquoi? Donc, si je fais de la musculation, est-ce que j'arrête parce que je suis plus capable de soulever la charge? Est-ce que j'arrête parce que je ressens des douleurs trop importantes? Est-ce que j'arrête parce que c'est indiqué qu'il faut que j'arrête dans mon programme? Même chose au niveau capacité aérobie, cardio. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis pas capable d'en faire plus? Est-ce que je suis à bout de souffle? Est-ce que c'est parce que les cuisses me chauffent? Est-ce que je suis pas capable d'aller suffisamment vite sur le tapis roulant puis ça me fait peur d'aller plus vite? Donc, il faut vraiment essayer de cibler qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus dans nos séances. Un exemple classique de ça, j'avais un client qui me disait, moi dans ma séance, qu'est-ce qui m'empêche d'en faire plus? C'est que j'ai pas assez de temps. Donc, je suis limité dans le temps, j'ai un 30 à 40 minutes que je peux allouer à mon entraînement en musculation. Donc, j'essaie de condenser le plus possible les choses dans ma séance d'entraînement, mais je viens à manquer de temps. Je ne peux pas faire autant de séries que je le souhaite et je n'arrive pas à m'épuiser à l'entraînement. Donc, ça change beaucoup ça, l'approche, de dire est-ce qu'on va supplémenter pour favoriser la récupération? Bien, le problème, le facteur limitant dans l'entraînement de cette personne-là, c'est la capacité à développer une surcharge à l'intérieur de l'entraînement parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, un supplément nutritionnel qui va favoriser la synthèse des protéines, exemple du lactosérum, de la whey, donc de la poudre de protéines post-effort, bien, ça risque d'être moins intéressant pour cette personne-là parce qu'on ne réussit pas à créer un dommage musculaire ou à générer une fatigue suffisamment importante à l'intérieur de l'entraînement. Donc, le fait de décider de supplémenter, ça peut s'avérer être un choix, je ne dirais pas problématique, mais ça peut s'avérer une dépense inutile dans le sens que ça ne nous procurera pas nécessairement plus de bénéfices parce que le facteur limitant ne se situe pas au niveau d'une catégorie ou d'un élément que le supplément peut résoudre ou peut répondre à. Donc ça devient vraiment, vraiment important. C'est un exercice qui est super important à faire parce que si on ne le fait pas, bien, comme je disais précédemment, on y va à tâtons. Donc on essaie, on lit ce qu'il y a sur l'étiquette puis on se dit « Ah bien, ça doit être bon pour moi parce que ça dit que ça va me rendre grand, beau et fort. » Bien, ça dépend. Donc faut être prudent là-dessus. Donc les classiques qu'on va voir en entraînement en musculation, c'est l'incapacité à soutenir un volume d'entraînement plus important, donc à rajouter des séries. La difficulté à augmenter la charge aussi, ça va être des facteurs qui sont très souvent limitants. Au niveau du cardio, ça va être la douleur en périphérie, donc les muscles actifs qui vont devenir douloureux ou encore le souffle qui va devenir difficile. Donc, on va sentir un essoufflement trop important puis on sera plus en mesure de soutenir l'effort. Ou encore sur le cardio pour des périodes prolongées, on va sentir qu'on n'est pas capable de maintenir l'intensité initiale suite à l'apparition d'une fatigue énergétique. Donc ça, ces éléments-là, une fois qu'on les a identifiés, ça nous donne des pistes. Là, on peut voir, bien, c'est quoi le répertoire de solutions potentielles pour nous aider à résoudre ce problème-là. Et c'est là qu'on peut regarder dans l'alimentation traditionnelle, c'est là qu'on peut regarder au niveau des suppléments. Personnellement, je ne fais pas vraiment de différence entre l'alimentation dite traditionnelle puis les suppléments. Pour moi, c'est des substrats qu'on ingère qui ont diverses fonctions dans l'organisme. Donc, que ce soit à l'intérieur d'un repas ou seulement dans une cuillère en sortant d'un pot, pour moi, ça ne fait pas une énorme différence comme telle. Je vais plus regarder le contenu. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce que je consomme puis qu'est-ce que c'est censé faire? Donc, si je consomme des fruits, des légumes, bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis, bien, c'est censé répondre à quel besoin? Alors, pour moi, je ne fais pas de différence. Des gens, des fois, ils vont dire « Ah, ben là, c'est mieux de prendre des protéines dans ton repas que de prendre des protéines en poudre. » Pour moi, il n'y a pas de différence comme telle. Je vais regarder, bien, c'est quoi les propriétés des protéines que je vais ingérer dans mon alimentation? C'est quoi les propriétés des protéines que je vais ingérer sous forme de supplément? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Et c'est là que je peux voir, bien, quand est-ce que je peux utiliser l'une ou l'autre puis quand est-ce que c'est le plus efficace? Un repas de saumon avec des petits légumes sur le côté, tout de suite après son entraînement dans le vestiaire, c'est pas quelque chose qui est pratique, c'est pas quelque chose qui est faisable. Donc pour moi, l'utilisation du supplément à ce moment-là, une question logistique, ça serait plus facile. Donc après ça, il reste à regarder, bien, ça répond à quel besoin. Je prenais du saumon parce que je voulais avoir différents acides aminés. Est-ce que je retrouve ces acides aminés-là dans mon pot de protéines? Puis si oui, bien, je peux interchanger. Donc, c'est vraiment d'identifier c'est quoi le besoin. Et ensuite de ça, est-ce que le produit ou l'aliment que j'ingère va répondre à ce besoin-là? Alors, si on regarde maintenant, par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté à augmenter son nombre de séries en entraînement, eh bien, ça veut dire que la personne va accumuler de la fatigue qui va faire en sorte qu'on n'est plus capable de maintenir notre effort dans le temps.
Donc là, on va regarder quels sont les suppléments qui peuvent retarder l'apparition de la fatigue, quels sont les suppléments qui peuvent favoriser la capacité à soutenir un volume d'entraînement plus important. Donc, on commence à fouiller sur Internet et on ratisse le plus large possible. On peut jaser avec des collègues, on peut jaser avec le voisin, avec quelqu'un qui vend des suppléments. Donc, on fait le tour, on fait le répertoire des informations qu'on a, puis on essaie de trouver qu'est-ce qui peut retarder l'apparition de la fatigue et permettre de soutenir un volume d'entraînement plus important. Et là, vous allez voir, autant dans des sources d'informations qui sont plus ou moins valides que des sources qui sont un petit peu plus robustes, mais ça se peut que ça s'entrecroise, ça se peut qu'il y ait des suppléments qui ressortent. Des suppléments, par exemple, vous allez entendre « Ah, mais la créatine, ça va être efficace pour ça. » Puis là, bien, s'il y a 4-5 sources qui vous parlent de créatine, bien, ça peut devenir intéressant d'aller investiguer un peu plus en profondeur ce supplément-là pour voir exactement qu'est-ce qu'il fait et est-ce qu'il peut répondre spécifiquement à mon besoin. Quand on fouille la littérature, effectivement, avec la créatine, ça peut nous permettre de soutenir un volume d'entraînement légèrement plus élevé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va doubler la quantité d'entraînement qu'on fait, mais peut-être que la série que je ne suis pas capable de finir dans mon entraînement, bien, avec un supplément en créatine, je vais peut-être être capable de la finir. Donc là, ça commence à être intéressant. Donc, on peut aller après ça regarder, bien, c'est quoi les dosages, qu'est-ce qui. Puis encore une fois, même chose, on ratisse large. C'est quoi les dosages recommandés? Là, autant de sources fiables que de sources pas fiables. Puis si tout le monde dit la même chose, puis un consensus, bien, ça commence à être intéressant. On peut être fixé sur, bien, c'est quoi la quantité à prendre de ce produit-là. Après, l'autre étape, c'est de trouver le dit produit en question. Donc là, lorsqu'on va regarder, on dit, ben moi, je cherche de la créatine. Là, il y a plein de gens qui vont vous dire, celle-là est meilleure, celle-là est moins bonne, etc. Mais avant de commencer à aller dans le détail du produit, il faut s'assurer qu'on est capable de faire confiance au produit. C'est là que ça se complique dans le sympathique univers des suppléments nutritionnels, c'est que vous avez une centaine d'homologations, de certifications, de sceaux de qualité qui sont estampillés sur l'emballage. Et chacune dit que le produit il est excellent, il n'y a pas d'impureté, tout est beau, etc. Malheureusement, la grande majorité de ces affirmations-là, c'est une affirmation qui vient du vendeur ou d'un organisme, d'une organisation qui n'a pas validé le contenu du produit. C'est-à-dire, moi, il n'y a rien qui m'empêche de lancer ma ligne de suppléments puis de dire que mon produit est le meilleur, que ça a été scientifiquement démontré par de nombreuses études indépendantes. Je peux tout indiquer ça sur l'emballage et il n'y a pas grand monde qui va me dire que, ben, c'est quoi tes études? Tu n'as pas le droit d'indiquer ça si tu n'as pas vraiment les études. Il y a très peu de législation là-dessus, il y a très peu de contrôle. Donc, bref, sur l'étiquetage, on peut mettre pas mal de choses, il y a beaucoup de jeux. Donc ça rend difficile la sélection des produits par le consommateur parce que sur quoi on se fie? Est-ce que je peux me fier à quelque chose qui est écrit sur le produit? La réponse est assez simple. Moi, jusqu'à présent, il y a pas mal juste un organisme de certification indépendant qui fait mon affaire. C'est le NSF for Sport. Donc, le NSF, c'est un petit rond bleu avec les lettres blanches là, ou pas loin qui est indiqué sur le produit. Donc le NSF, qu'est-ce que ça veut dire? NSF, c'est une compagnie, c'est un organisme qui fait que des audits sur tout ce qui est hygiène et nutrition. Donc ça va du tuyau de bol de toilette jusqu'à des produits qu'on mange. Bon, ça va être des départements différents, je l'espère. Mais c'est un organisme qui se spécialise dans la certification des produits. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller auditer la matière première, les techniques de fabrication, les techniques d'entreposage. Ils vont vérifier est-ce que l'étiquetage est conforme. Donc, est-ce que la quantité qui est indiquée sur l'étiquetage, c'est la quantité qu'on trouve dans le produit. Ils vont faire l'échantillonnage aléatoire. Donc, c'est très rigoureux, c'est très exhaustif comme analyse, comme processus de certification. Et il n'y a pas beaucoup de. Il y en a de plus en plus, mais il n'y a quand même pas beaucoup de produits qui sont certifiés NSF parce que ça coûte cher. Puis parce que ben, les gens sont le public, les consommateurs ne sont pas au courant de cette certification-là. Donc, pour la compagnie qui fabrique des produits, ça ne leur permet pas d'en vendre plus qu'il y ait le logo NSF dessus. Tout ce que ça fait, c'est que ça leur donne bonne conscience en sachant qu'ils ont des méthodes de fabrication, qu'ils ont des fournisseurs qui sont A1. Donc, qu'il n'y a pas de produits dopants, qu'il n'y a pas de contaminants, que le produit est fabriqué correctement. Et c'est là qu'on se rend. On se retrouve à avoir une diminution assez importante dans la quantité de suppléments qui sont disponibles.
Donc, ça va vraiment, vraiment réduire notre répertoire de sélection. On va se rendre compte que, ben, au niveau des créatines, ben, il y a presque juste de la créatine monohydrate qui est certifiée NSF. Il y a genre trois compagnies qui ont cette certification-là. Donc, ça réduit considérablement nos options. Sauf que là, ce que ça fait, par contre, quand on va acheter un produit qui est certifié NSF, c'est qu'on est très confiant que ce produit-là, il est légitime. Il a été vérifié. Donc, on sait que c'est propre ce qu'il y a dedans. Puis que les quantités sont correctes. Ça ne veut pas dire que le produit va être efficace. Exemple, on pourrait avoir de l'eau certifiée NSF. Ça ne veut pas dire que le produit va vous permettre d'hypertrophier ou de courir plus vite. Ça veut juste dire que l'eau qu'il y a là, ben, elle vient d'une source qui est légitime, ça a été entreposé de façon légitime, il n'y a pas de contaminants dedans et c'est bel et bien de l'eau qu'il y a dans la bouteille. Alors, c'est le même principe avec les suppléments. Donc, si vous achetez une créatine monohydrate qui est certifiée NSF, ça ne veut pas dire que c'est une créatine qui va vous permettre de gagner 45 kg de masse musculaire en une semaine. Ça veut juste dire que c'est de la créatine de qualité, c'est bel et bien le bon dosage qu'il y a dedans. Donc, lorsqu'on va arriver à faire cette sélection-là, donc de trouver le produit qui est certifié NSF, on peut le prendre avec une plus grande confiance que c'est un produit de qualité. Sinon, on court des risques assez importants que le produit ne soit pas tout à fait de bonne qualité. Et ça, on peut avoir des manufacturiers, des compagnies qui sont excessivement de bonne foi, qui veulent bien faire, qui veulent vendre le meilleur produit au meilleur prix puis aider le plus de gens possible avec leurs suppléments, mais que parfois, ils vont manquer de ressources, vont manquer de ressources matérielles ou de connaissances, ou etc., pour vraiment faire un produit de qualité. Par hasard, il peut y arriver qu'il y a des contaminants qui s'insèrent dans leurs produits, même s'ils ne veulent pas, ben malheureusement, parce qu'ils ne savaient pas que telle procédure, c'était plus ou moins bon, et etc., etc. Et on se ramasse au final d'avoir un produit rempli de bonnes intentions, mais rempli d'autres choses aussi. Donc, ce n'est pas tous des gens qui sont mal intentionnés, qui sont dans cette industrie-là, mais des fois, c'est des gens que ben, ça coûte cher de faire un produit de qualité, puis le ratio, le profit qui peut être perçu pour nous permettre de continuer à opérer puis à vendre des produits de qualité, des fois, il devient moins intéressant. Alors ça, on s'assure que c'est NSF, et je vous dirais que c'est pas mal la seule. Avant, j'avais Informed Choice aussi que je recommandais. De moins en moins, j'ai eu quelques anecdotes issues de cette certification-là qui m'ont laissé un petit peu perplexe, qui ont semé un certain doute. Donc, ça reste de l'anecdotique. Donc, c'est pas une certitude, mais j'ai perdu un petit peu confiance dans la Informed Choice ou Informed Choice for Sport, ou etc. Je suis un petit peu moins confiant dans cette certification-là. Pour l'instant, NSF, ça reste pas mal la certification. Les gens que j'entraîne, quand je recommande des suppléments, je recommande uniquement des suppléments qui sont certifiés NSF. Puis j'ai pas de part dans NSF. Là. C'est vraiment parce que ça semble sur papier extrêmement rigoureux. Dans les faits, pour en discuter avec des gens qui ont tenté de se faire homologuer NSF, c'est une grosse affaire. C'est pas facile. Ils sont fatigants. Donc, tant que ça va être comme ça, tant mieux. On va réussir à avoir des produits un peu plus de qualité. Donc, une fois qu'on a identifié c'est quoi notre facteur limitant à l'effort, à l'entraînement ou dans nos performances, qu'on a ciblé ou on a fait le tour, on a écouté quel produit qui pourrait faire le travail, bien à ce moment-là, on choisit un produit qui est certifié et après ça, bien, on teste. Donc, on va consommer le produit selon les recommandations, puis on va essayer de faire un suivi, voir est-ce qu'effectivement il y a une différence. Et là, il faut faire la part des choses. Parce que ça se peut qu'il y ait une différence qui soit associée à un certain effet placebo. En tant que chercheur, moi, je vais être capable de faire la distinction si c'est un effet placebo ou si c'est un effet réel, légitime du produit. En tant qu'athlète, en tant que personne qui s'entraîne, je m'en fous que ce soit un effet placebo ou le produit qui fait en sorte que j'augmente de 15% ma force. Ça fait 6 mois que j'ai plafonné au niveau de ma force. Depuis que je prends le produit, j'ai augmenté de 15%. En termes de résultats, moi, je suis content. Le fait que je prenne le produit a fait en sorte que j'ai augmenté ma force de 15%. C'est merveilleux. Est-ce que maintenant, c'est directement à cause d'une modification neurophysiologique de la patente? Honnêtement, je m'en fous. J'ai augmenté de 15%. Si c'est juste dans ma tête, le 15%, il est réel quand même. Donc, l'effet, ben, quand on l'observe, il est bel et bien réel. Il n'est pas nécessairement directement associé à l'effet pharmacologique du produit, mais en termes de résultats, moi, je vais le prendre.
Donc, à ce moment-là, c'est important de faire un suivi de sa progression et surtout un suivi du facteur limitant. Donc, est-ce que je suis capable, effectivement, d'augmenter mon volume d'entraînement? Est-ce que la dernière série, j'avais de la difficulté à terminer, maintenant que je prends de la créatine, je suis en mesure de la terminer? Donc là, c'est vraiment important de tenir un journal de bord ou de prendre des notes pour avoir vraiment une idée de l'effet réel du produit dans ma progression. Puis ça joue un double rôle un peu. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre un supplément et qui ne changeront rien. Donc, c'est classique ça avec la créatine, entre autres. Les gens vont prendre la créatine, il n'y a pas de modification au niveau des charges, il n'y a pas de modification au niveau du volume d'entraînement. Tout ce qu'ils font, c'est que ben, il y a plus de créatine et de créatine phosphate disponible dans le muscle, mais ils ne s'en servent pas pour faire plus. Donc, ils ne s'en servent pas pour augmenter les charges, ils ne s'en servent pas pour augmenter le volume. Donc, ta prise de supplément a pas mal moins d'impact à ce moment-là parce que tu as juste fait la même chose, plus de la créatine en espérant que tu aies un résultat miraculeux. L'autre exemple de ça, c'est les pré-workouts ou tout ce qui est caféine, stimulant et compagnie. Bien, si tu fais exactement le même entraînement que lorsque tu consommes un pré-workout que lorsque tu ne le consommes pas. Donc, si tu as même volume, même intensité, la seule chose qui change, c'est que tu le trouves plus facile, que tu sens que tu es plus motivé et que tu as plus de drive, mais que tu as fait exactement le même tonnage, la même quantité de poids que tu as levé ou tu as couru exactement à la même vitesse pour la même durée, ben en quoi le supplément t'a aidé, sinon simplement de faire en sorte que tu trouves ça plus facile. Donc, on veut éviter de consommer un supplément sans avoir une adaptation ou un suivi au niveau de notre entraînement pour s'assurer que bien, on profite pleinement de cet investissement-là, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des suppléments qui sont quand même assez dispendieux. Donc, en faisant le suivi, on peut vraiment s'assurer que bien, là, j'ai pris le supplément et là, effectivement, j'ai augmenté mon volume d'entraînement. Donc, là, je peux conclure que l'usage de ce supplément-là est profitable. Mais s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de quantification de ce qu'on fait, on y va à peu près au feeling, on risque de consommer des suppléments pour le fun de consommer des suppléments, puis on va tout simplement encourager cette industrie-là à faire de l'argent, puis à ne pas être tenu de livrer la marchandise, parce que, ben, il ne faut pas se le cacher non plus, l'usage de suppléments, c'est un marché qui est vraiment intéressant parce que la majorité des gens qui font usage de suppléments n'ont pas les outils ou ne font pas les démarches pour savoir si effectivement le supplément fonctionne. Et à part les suppléments de type stimulant, il y a très peu de suppléments nutritionnels dont on peut savoir si l'effet fonctionne ou non. Si vous prenez une protéine hydrolysat de protéines filtré 25 fois à froid par méthode inversée, en diagonale, en cercle, puis etc., etc., ben vous n'avez aucune idée pour savoir si c'est mieux que le pot de protéines que vous avez acheté chez Jean Coutu, qui vous a coûté la moitié du prix. Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez aucun indicateur de votre synthèse des protéines. Et ça, c'est assez cocasse quand on discute avec des gens qui vont vendre de ces produits-là. Dernièrement, j'en ai eu un qui était super sharp dans une boutique de suppléments. Le gars a fait un excellent travail. J'ai posé la question. J'ai dit, ben, entre ces deux protéines-là, c'est laquelle qui va être la plus efficace? Il dit, ben, moi, j'ai pris les deux. J'aime plus le goût de celle-là. Celle-là, je l'aime moins. Mais à part ça, c'est tout ce que je peux te dire là-dessus parce que tu peux pas savoir s'il y en a une qui a plus d'effet que l'autre. Moi, j'ai trouvé ça super honnête, super pertinent comme réponse, même si ça répondait à rien. Mais c'est ça. Tu ne peux pas savoir. C'est très difficile de mesurer ta synthèse des protéines. C'est très difficile de mesurer l'accrétion des acides aminés. Tu ne peux pas savoir si une protéine ou l'autre va vraiment être supérieure pour toi suite à ton entraînement. Donc, ça va être important à ce moment-là de faire le suivi, bien, des suivis au niveau de la composition corporelle, au niveau de la force, pour t'assurer sur est-ce que tu progresses plus depuis que tu prends ce supplément-là? Est-ce que tu as des gains plus importants que ce que tu avais depuis que tu prends ce supplément-là? Mais si tu n'as pas de suivi, si tu n'as pas de quantification, ben casse-toi pas la tête trop longtemps pour savoir quel supplément le meilleur, je devrais-tu doser à 2 grammes de plus ou etc. Tu n'as aucune façon de vérifier l'effet, donc tu ne peux pas savoir si ça marche ou non. Perds pas de temps à allouer tes ressources pour te casser la tête là-dessus. Pousse plus fort dans le gym, assure-toi de bien récupérer, puis c'est pas mal plus profitable que de te casser la tête 2-3 jours de temps à savoir c'est quoi le dosage optimal pour ton pot de protéines qui est de couleur turquoise. T'sais. Alors ça va être des éléments importants. Donc on veut vraiment s'assurer de mettre en place
au niveau des suppléments, une façon qu'on puisse avoir une idée si on performe mieux, si on fait mieux que lorsqu'on n'avait pas le supplément. Donc, c'est vraiment une structure à s'imposer lorsqu'on va utiliser ça. Sinon, je vous le dis, on n'a aucune idée si ça marche ou non. Tout ce qu'on fait, c'est se réconforter. Puis c'est un peu une forme de pensée magique en se disant, mais là, je prends le supplément, ça va aller mieux, c'est sûr. Là, je vais mieux performer parce que j'ai le supplément. En réalité, on ne sait pas. Puis là, ben, ça tombe même pas dans de l'effet placebo parce que on change rien. On ne s'améliore pas plus, donc on ne pousse pas plus, on ne travaille pas plus. Donc, c'est très limitant. Donc, une fois qu'on a compris ce processus-là, une fois qu'on est capable de vraiment bien suivre sa consommation de suppléments, mais quels sont les suppléments qui peuvent être vraiment intéressants lorsqu'on regarde, par exemple, pour l'entraînement en musculation? Donc, j'ai parlé en long et en large de la créatine. Donc, c'est sûr que la créatine monohydrate, excellent choix de supplément, certifié NSF. On a quelque chose de super bien. Ça peut nous aider dans des phases d'entraînement où on veut augmenter la force, où on veut augmenter le volume, donc on va être capable de tolérer un peu plus la fatigue. Ça devient super intéressant. Côté cardio, lorsqu'on va faire des entraînements à intervalles à haute intensité, la supplémentation en créatine, ça peut être un outil intéressant parce qu'on se ramasse à avoir des efforts qui sont extrêmement similaires à des efforts en musculation. Puis on se ramasse à avoir des besoins très similaires à court terme. Donc, tamponner un peu l'acidité au niveau de la cellule musculaire. Donc, ça devient vraiment intéressant. Donc, on peut avoir la créatine qui va s'utiliser à la fois pour de l'entraînement cardio lorsqu'il est à haute intensité ou encore de la musculation. Donc, c'est le même principe pour le cardio. Bien, on va essayer de cumuler un peu plus de paires d'intervalles lorsqu'on supplémente en créatine monohydrate. Dans les autres suppléments qui sont bien supportés par la littérature scientifique, mais tout ce qui est supplément de protéines. Donc, les différents types de protéines, que ce soit bœuf, œuf, pois, lactosérum, caséine, c'est toutes des protéines qui sont intéressantes, mais qui ont des facteurs limitants. Donc, plus le produit est épuré, plus le produit est hydrolysé, plus le produit est nettoyer, ou donc moins il y a d'autres affaires, bien, plus on a une protéine qui est hyper spécifique et une protéine qui va avoir déjà là, plus elle est spécifique, bien, moins son effet, moins son usage va toucher beaucoup de choses. Exemple, si je consomme des BCAA, donc des acides aminés à chaîne ramifiée, bien, c'est ces trois acides aminés. Donc, c'est sûr que ça ne fera pas le même travail que 27 acides aminés. Donc, c'est beaucoup plus spécifique comme impact. Donc, plus le supplément est un seul produit, une seule molécule active, bien, plus son effet risque d'être spécifique. Donc, ensuite de ça, lorsqu'on va choisir quelle protéine prendre, bien, il faut regarder à ce moment-là quels besoins on cherche à combler. Donc, les gens disent, moi, je veux maximiser ma synthèse des protéines tout de suite après mon entraînement. Correct. La question qu'il faut se poser avant d'aller là, c'est est-ce que la synthèse des protéines est favorable sur 24 heures, sur l'ensemble de la journée? Donc, est-ce que je consomme suffisamment de protéines de qualité sur 24 heures? Donc, ça, c'est ma première question. Si la réponse est oui, j'ai un apport en protéines assez important, c'est des sources de protéines diversifiées, donc des protéines plus nutritives, si on veut, là, qui viennent avec un emballage intéressant, donc des produits d'origine animale, par exemple, ou encore des protéines d'origine végétale, mais diversifiées, qu'on retrouve dans l'alimentation traditionnelle, donc qui vont venir avec des minéraux, avec des fibres, avec des vitamines, etc. On veut une matrice nutritionnelle qui est plus chargée. Mais si on a ça dans l'ensemble de la journée, on peut faire un crochet en disant, oui, on a un apport en protéines qui est suffisamment varié, les quantités sont intéressantes. Et ça veut dire que nos besoins sur 24 heures, on y répond. Donc là, on peut s'intéresser à est-ce que je peux chercher à stimuler un peu plus ma synthèse des protéines pour bénéficier un peu plus de mes entraînements. Bien, là, on peut commencer à regarder bien, autour de l'entraînement, quelle source de protéines va se digérer rapidement, puis va avoir un effet assez important sur la synthèse des protéines. Bien, on se rend compte que ça va nous prendre une protéine où il n'y a pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de lipides, pas beaucoup d'autres choses, puis qui a principalement une grande quantité d'acides aminés essentiels, plus particulièrement de la leucine. Donc, la protéine qui va avoir la plus grande quantité d'acides aminés essentiels, la plus grande quantité de leucine, post-entraînement, ça va devenir intéressant, surtout si c'est juste ces acides aminés-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont se digérer rapidement. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose qui est nutritif à ce moment-là. On a besoin de quelque chose qui est spécifique. Alors, on regarde, ben, j'ai besoin d'acides aminés essentiels. Est-ce que cette protéine-là en a beaucoup dedans? Puis là, vous me dites, ouais, mais comment je fais pour savoir ça?
La plupart des protéines maintenant vont avoir un listing d'acides aminés sur le côté. Si c'est certifié NSF, le listing devrait être pas mal proche du contenu. Donc là, à ce moment-là, on va regarder les acides aminés essentiels, c'est lesquels, puis c'est quoi les quantités dedans, puis on peut comparer avec l'autre protéine à côté. Si l'autre protéine à côté, bien, elle en a moins, on peut supposer que la protéine d'à côté va être un peu moins intéressante, potentiellement va moins stimuler la synthèse des protéines post-effort que celle que je regarde. Donc ça peut nous permettre d'orienter notre choix. Puis oui, ça demande un effort de faire ça, c'est une démarche. C'est pas juste, ben je choisis la saveur, je regarde le prix, puis après ça, je la consomme. Tu sais, on va prendre un produit qu'on ingère, qui va avoir un effet métabolique et qui on veut qu'il améliore nos performances. On ne prend pas un milkshake au McDo, là. C'est pas la même chose, là. On veut quelque chose avec une fonction spécifique. On l'achète pour qu'il y ait une fonction spécifique. On veut que ça fonctionne. Donc, c'est pas regarder des pommes puis dire, ah, celle-là a l'air plus mûre, je vais en prendre. C'est vraiment une étape de plus. Donc, ça demande une réflexion puis une démarche un peu plus importante. Puis, c'est sûr qu'on peut consommer des suppléments pour le fun. On peut en prendre comme ça, n'importe comment. Sans vente libre, il n'y a aucun problème. Mais ça, tu sais, moi, je suggère plus de faire des donations à des organismes de charité du même montant que vous mettez sur vos suppléments si vous fonctionnez comme ça. Ça va servir à un peu plus de monde, puis ça va avoir une vocation un peu plus intéressante. Donc, si vous êtes prêt à faire une démarche, mais là, à commencer à regarder, ça devient intéressant. Et ça devient d'autant plus intéressant qu'on va voir vraiment des écarts super importants, puis on commence un petit peu à avoir le regard ou une vision de derrière le décor du monde des suppléments. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de suppléments qu'on va écarter suite à ça, parce qu'on se dit, ben ça me donne rien de prendre ça, parce qu'il n'y a pas ça. Donc même si c'est écrit le contraire sur l'étiquetage, ce produit-là pourra pas faire ça, parce que ben il y a bien moins d'acides aminés que l'autre produit à côté, par exemple. Donc je vais plus être intéressé par l'autre produit. Alors, cette forme de magasinage-là devient vraiment intéressant et ça permet de rentabiliser l'investissement là, au niveau des suppléments. Donc, là, je donne l'exemple post-effort, quel type de protéines prendre. Mais si je prends l'exemple au niveau du cardio, je reviens avec l'entraînement par intervalle parce que c'est encore hyper populaire. Bien, la personne a de la misère à tolérer ces intervalles à la fin. Bien, on a la créatine qui peut être intéressante. Dans la littérature scientifique, si on regarde pour ce type d'effort-là, il y a de la bêta-alanine aussi qui est intéressante. Donc là, on peut regarder, OK, bêta-alanine, y a-t-il quelqu'un qui connaît ça? Ça existe-tu en NSF ou ça n'existe pas? Puis après ça, bien, il y a certains sites, examine.com, webmd.com, qui vont parler de différents suppléments nutritionnels, puis ils ont fait pour vous le travail de fouiller la littérature scientifique, puis regarder, bien, c'est quoi les dosages, c'est quoi les effets présumés, c'est quoi les effets secondaires, etc. Donc, ces sites-là, bien, ça devient intéressant à les fouiller un petit peu plus. Puis là, on regarde, ah, bêta-alanine, ah, ben, c'est intéressant, le dosage de 0,6 g à 2,4 g pour à peu près 10 à 30 jours. Bon, c'est des quantités qu'on peut prendre. Ah, les effets secondaires, venir rouge, avoir les extrémités qui chatouillent, donc qui deviennent engourdies un petit peu, là, on ressent des petits points dans les doigts. Mais ça, c'est un indicateur que c'est un des effets secondaires quand les doses sont importantes. Donc là, OK, on a un meilleur portrait du produit, puis on regarde, ben, c'est quoi les effets. Ben, ça permet de tamponner un peu l'acidité, puis l'acidité au niveau des contractions musculaires, ça va réduire notre capacité à faire un effort. C'est pas l'acidité de le pH de votre corps ou de votre alimentation, là, c'est vraiment le pH au niveau de la cellule musculaire. Donc, lorsqu'on va contracter le muscle, plus il y a de contraction, plus il y a une production de protons, d'hydrogène. Puis c'est ça, pH, là, ben, c'est un peu pour la concentration en hydrogène dans la cellule. Donc, plus il y en a, plus ça va être acide. Et à ce moment-là, ça réduit votre capacité à contracter. Donc, lorsque vous faites un entraînement par intervalle ou un entraînement en musculation avec des séries moindrement longues, ben, l'acidité au niveau de votre cellule musculaire va devenir un problème, un précurseur de la fatigue assez important. Donc, la bêta-alanine, si on regarde, ah, ben, ça permet de tamponner un peu ça. Donc, ça peut vouloir dire que je vais peut-être être capable de cumuler un peu plus d'intervalles, une plus grande quantité de paires d'intervalles de qualité avec ce supplément-là. Ensuite, ça, c'est de le valider. Ben, je vais essayer, je vais supplémenter avec la bêta-alanine. Puis on va voir ce que ça va nous donner. Est-ce que le fait de supplémenter en bêta-alanine m'a permis de faire un petit peu plus d'intervalle? Oui, j'en ai fait 10% de plus. Parfait. Et pour l'athlète, ça s'arrête là en disant, ben écoute, que ce soit le produit ou parce que je pense que c'est le produit qui fait ça, puis c'est un placebo, on s'en fout, on a augmenté de 10%. Et on va le prendre.
faut juste être prudent après ça si on recommande le produit, parce qu'on le voit souvent, les gens sont super bien intentionnés, ils disent, moi j'ai pris ce produit-là, ça a été miraculeux, j'ai doublé ma force, c'est incroyable, blablabla. Ben attends, là, t'sais, y a peut-être, on commencera pas à faire à prêcher là, puis la bonne parole en disant ce supplément-là, je vais prendre des parts dans la compagnie, puis je vais commencer à en distribuer. Là. On va se calmer, il ne faut pas négliger que ça se peut que ce soit un effet placebo. Puis la particularité de l'effet placebo, c'est qu'on ne sait pas que c'est un effet placebo, on est convaincu que c'est vrai. Donc, si on ne sait pas que c'est un effet placebo, on est convaincu que c'est vrai, ben on ne peut pas prendre conscience que c'est l'effet placebo qui fait qu'on a progressé. Bref, ceci étant dit, il faut quand même se modérer nos ardeurs lorsqu'on pense qu'un supplément fonctionne beaucoup. La totalité des suppléments, c'est toujours, 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 toujours des effets de faible à modéré. C'est ça qu'on retrouve dans la littérature. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faible à modéré? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est « wow, changer ma vie, maintenant je suis prêt pour les Olympiques à cause de ce produit-là ». Il n'y en a aucun qui ressort comme ça dans l'ensemble de la littérature scientifique. C'est toujours des effets plus subtils. De là, l'importance de quantifier les choses pour être capable de détecter ces petits effets-là. Alors, donc, si je donne l'exemple de la bêta-alanine, qui est un autre supplément qui va être intéressant, à la fois en musculation, à la fois pour du cardio à haute intensité, donc des efforts plus courts, des efforts répétés, pour du continu à intensité modérée, des efforts prolongés pas mal moins efficaces. Combiné avec la créatine, ça devient super intéressant. Puis comme par hasard, il y a un produit qui est NSF qui combine la créatine et de la bêta-alanine. Donc ça pourrait avoir un certain effet synergique au niveau du tamponnage du métabolisme acido-basique au niveau de la cellule musculaire. Donc ça pourrait être un supplément qui est doublement intéressant, puis qui revient peut-être un petit peu moins cher que d'acheter de la créatine séparée que la bêta-alanine séparée. Ensuite de ça, si on continue dans la lignée cardio, on a dit, moi, je ne fais plus des intervalles, je fais des ultra-marathons, etc. Mais la mode là, qu'on a vue en termes des suppléments, c'était beaucoup les sucres d'érable, donc du sirop d'érable, et ensuite de ça, les nitrates, donc du jus de betterave. Fait que là, même chose, on écoute autour, qu'est-ce qui se dit à propos de ça, quels sont les effets présumés, qu'est-ce que le monde y en dit, comment ils ont vécu ça, prendre ça, ça te fait une différence, ça te fait pas de différence. Puis on écoute tout le monde, on juge personne, donc on prend de l'information pour essayer de se faire une tête sur la situation. Puis après ça, on peut aller fouiller les sites que je vous ai mentionnés, examine.com, webmd.com, tout simplement Google Scholar, qui est un moteur de recherche super intéressant. Ça va nous sortir des articles scientifiques qui parlent de ces substances-là. Des fois, on peut être chanceux, on va avoir accès à ces articles-là, puis on peut voir rapidement, sommairement, même si on n'a pas des grosses connaissances en sciences, de dire ça vaut-tu la peine? T'sais, si l'article, la conclusion est ça vaut pas la peine, c'est dangereux, ça tue du monde, c'est peut-être moins alléchant de l'essayer. Si l'article dit on n'a pas des résultats concluants, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que dans leur protocole, ils n'ont pas vu de différence suffisamment importante pour dire que c'était concluant, mais ça peut quand même valoir la peine de l'essayer puis voir si nous, ça fonctionne ou non. Alors, ça, c'est un bel exemple avec tout ce qui est jus de betterave, sirop d'érable et compagnie. Donc, c'est marketé, c'est vendu comme étant des produits miraculeux. C'est pas vrai que moi, si je prends du jus de betterave, je vais réussir à me classer pour Boston, là, puis que je vais courir un 42 km en bas de 3 heures, là, parce que je suis shooté au jus de betterave. Là. C'est pas ça. Donc, il faut essayer de comprendre un peu le produit, qu'est-ce qu'il fait. Dans le cas du jus de betterave, ça permet une certaine économie au niveau des réserves énergétiques. Donc, c'est ce que ça va favoriser. Donc, concrètement, si je cours à 70 % de mon maximum, puis je vais essayer de maintenir ça pendant 2h30, 3h, à 70 % je vais puiser dans mes réserves de glycogène qui sont quand même limitées. Donc, ça serait intéressant qu'à 70 % je pouvais maintenir cette intensité-là, puis moins consommer de glucides dans mes muscles, puis plus consommer de gras. Comme mes réserves de gras sont beaucoup plus importantes que mes réserves de sucre, je pourrais maintenir cette intensité-là plus longtemps. Donc, notre jus de betterave, c'est un petit peu ça que ça va faire. Donc, pour un même pourcentage d'effort, jusqu'à à peu près concurrence de 80-85 % de la VO2, donc toutes les intensités en bas de ça, ça va favoriser une utilisation un peu plus importante des lipides que des glucides. Et là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça veut dire que je suis aussi bien de prendre du jus de betterave, je veux perdre du poids. » Oui et non. Ça veut dire que lorsqu'on va prendre du jus de betterave, puis on va faire un effort de 1h30, 2h, 3h, et on va avoir un pourcentage d'utilisation des glucides un petit peu moins grand, puis un pourcentage d'utilisation des lipides un peu plus grand. Ça se compte en grammes, la différence. Des grammes au niveau des glucides, ça fait une grosse différence au niveau de nos réserves parce que ce sont des réserves qui sont limitées, qui sont précaires.
en grammes au niveau des lipides, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, ça ne fait pas un impact sur la perte de poids comme telle. C'est beaucoup plus quelque chose qui va vous permettre de mieux performer, légèrement mieux performer. Encore une fois, il faut savoir vos intensités. Un classique, là, j'ai quelqu'un qui s'est aventuré sur une course, un demi-marathon virtuel. Je dis toujours à la blague, le demi-marathon virtuel, c'était pas que tu le faisais assis dans ton salon en regardant du monde courir, c'est que tu le courais vraiment. Mais le demi que cette personne-là, elle a fait, elle l'a trouvé excessivement difficile, puis elle a dit, j'ai pris du sirop d'érable, j'ai pris du jus de betterave, puis ça n'a rien donné. Bien, quand on a regardé ses intensités, d'habitude, cette personne-là, on prédit qu'à 60, 70 et 75% de sa VO2 max est capable de tenir longtemps. Donc, pour un demi-marathon, 70, 75%, c'est excellent. Ça devrait être capable, c'est une intensité qui devrait être capable d'être soutenue, maintenue tout au long de l'épreuve. Là, la personne, elle a pris son jus de betterave, son sirop d'érable. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a regardé son intensité. Puis, il était entre 80 et 88% à peu près pour le premier tiers, première moitié de sa course. Donc, elle a couru une intensité beaucoup plus élevée que ce qui était supposé de tenir. Et ça a fait en sorte que l'effet du supplément n'était pas bénéfique, c'est-à-dire que à ces intensités-là, pour cette personne-là, le fait d'avoir pris ces suppléments-là, ça lui permettait pas de continuer puis de finir sa course. Donc la conclusion de cette personne-là, c'était que ces suppléments-là sont inutiles. Ben non, ils auraient été utiles, elle aurait probablement pu courir un peu plus vite, 70-75%, légèrement plus vite que ce qu'elle fait d'habitude. Puis avoir suffisamment d'énergie au niveau des glucides pour maintenir cette intensité-là tout au long de la course, puis pas réduire vers la fin parce qu'on commence à avoir un peu moins de glycogène. Sauf que là, comme elle a augmenté l'intensité, elle a pigé beaucoup plus, on a augmenté l'intensité, elle a dépensé plus de calories, donc elle a quand même si elle était sur le jus de betterave, elle a consommé plus de glucides qu'elle consommait à l'habitude, puis elle a frappé son mur. Donc, ça n'a pas fonctionné parce que, bien, il y avait une mauvaise connaissance de l'effet du supplément, puis une mauvaise adéquation entre l'usage du supplément puis la performance attendue. Donc, si cette personne-là avait fait ses recherches un peu plus, puis je dis ça sans méchanceté, bien, elle aurait pu savoir que, OK, il ne faut pas que je coupe bien plus vite parce que ça ne marchera pas. Puis, si elle m'avait jasé avant sa course, j'aurais pu tout y calculer ça puis dire, bien, gars, c'est telle vitesse que tu peux topper ou telle puissance de course que tu peux topper, même avec ces produits-là. Alors, c'est pour ça que d'investiguer le produit, de faire le tour du produit, c'est quelque chose qui devient super, super important pour être en mesure de vraiment avoir les effets escomptés puis gérer ses attentes un petit peu. Donc, si je résume, la créatine, la bêta-alanine, c'est les substances qui sont intéressantes. Ensuite de ça, autre substance intéressante, bien, tout ce qui est supplément de protéines, encore une fois, très intéressant. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser une seule sorte de protéines. Vous pouvez en utiliser différentes sortes. Ça vous donne une mixture avec des acides aminés différents. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant. Des fois, il y a des mix qui se font moins bien. Le goût peut être moins bon. Mais encore une fois, ça peut être une façon de diversifier et de s'assurer d'avoir un profil d'acides aminés intéressant. Ensuite de ça, dans les autres suppléments, je dirais ceux que j'aime beaucoup moins utiliser, c'est tout ce qui est pré-workout, tout ce qui est caféine, tout ce qui est stimulant. Pourquoi? Ben parce que ça marche. Dans le sens que ça fait ce que c'est supposé faire, ça stimule. Et le problème de la stimulation, c'est que lorsqu'on prend l'exemple d'une course ou d'une compétition, cette stimulation-là affecte l'excitabilité. Donc, on va avoir tendance à être un peu plus fébrile et ça peut devenir plus difficile d'appliquer une stratégie de course. Ça peut devenir plus difficile aussi de gérer tout ce qui est perception-analyse. Si on a un exemple d'un match de hockey, on peut être surstimulé à cause de la caféine. Ça ne veut pas dire qu'on va être en mesure de faire une lecture du jeu adéquate et de prendre les décisions au moment opportun. Donc, on se ramasse plus à être une poule pas de tête, mais on est une poule pas de tête qui arrache les bandes. Sauf qu'on ne fait vraiment rien de plus de productif. Donc, les stimulants, il y a potentiellement beaucoup plus d'effets qui sont durs à gérer et qui vont causer plus de problèmes que de bénéfices. Aussi, la plupart des stimulants vont causer une dépendance physiologique. J'en avais déjà parlé par le passé. Donc, il faut aussi apprendre à gérer ça. Donc, on ne peut pas toujours être sur les stimulants parce qu'il y a un coût assez important au niveau de la récupération. Donc, si j'arrête, je vais avoir une période de sevrage, je vais avoir une période léthargique. Puis quand on regarde, entre autres, au niveau de la caféine,
L'utilisation de la caféine se fait par bloc. Donc, avec les athlètes, on va travailler un certain temps, certaines phases d'entraînement où est-ce qu'il va y avoir un supplément de caféine qui va être donné ou la consommation de caféine dans un café. Puis d'autres périodes, il n'y en a pas où on fait un sevrage. Mais quand on fait la moyenne de l'amélioration des performances avec usage de caféine et la période de sevrage sans période de caféine, bien, la période de léthargie qui accompagne le sevrage, bien, a souvent l'effet de réduire les gains potentiels qu'on aurait pu avoir lors de la phase d'utilisation de la caféine. Puis au final, bien, on revient à peu près au même point que si on n'avait pas consommé de caféine puis pas fait de sevrage. Alors, ce n'est pas nécessairement avantageux sur une longue période d'avoir recours à ces stimulants-là. Il faut vraiment bien les gérer, ce n'est pas facile. Puis un des effets les plus pervers au niveau des stimulants, c'est la diminution de la résilience. Donc, ça devient une béquille pour la motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de difficultés à soutenir un effort en l'absence du stimulant. Donc, si on n'a pas le stimulant, ça devient très dur de performer, là. Donc, il y a une composante psychologique qui est assez importante qui va venir à nous nuire. Donc, si pour la personne qui m'a demandé de parler des suppléments, donc mes recommandations au final, ben, a priori, on évite tout ce qui est stimulant. Tant pour le cardio que pour la musculation, la supplémentation en créatine monohydrate, en bêta-alanine, ça peut s'avérer intéressant. Donc, il y a suffisamment de données scientifiques pour appuyer un usage à plus grande échelle qui favoriserait justement les performances en s'assurant que ces performances-là sont comptabilisées, nos entraînements sont comptabilisés, puis on peut avoir une bonne idée si on en fait plus ou on n'en fait pas plus. Et ensuite de ça, bien, tous les différents types de protéines qui sont disponibles sur le marché autour de l'entraînement, ça peut s'avérer intéressant, mais ça demeure un fine-tuning qui est conditionnel à un apport quotidien en protéines adéquates. Donc, si mon alimentation au quotidien est déficiente en termes quantitatifs ou qualitatifs au niveau des protéines, si je supplémente en protéines très spécifiques, bien, c'est intéressant. Donc, c'est pas inutile, c'est un plus. Mais le plus ne m'amènera pas à améliorer mes performances, il va plus m'amener à maintenir un niveau adéquat. Donc, je vais patcher. Donc, je ne me ramasse pas avec une chaloupe neuve, je me ramasse avec une chaloupe qui est pleine de patchs. Donc, les patchs, c'est-tu un problème? Ben non, tant mieux, parce que si on ne les avait pas, la chaloupe aurait coulé. Mais ce qu'on voulait faire, c'est avoir une chaloupe qui devenait un bateau de course. Mais là, justement, parce que dans notre quotidien, l'apport en protéines ou à ce compte-là, l'apport nutritionnel général n'était pas adéquat, mais la supplémentation spécifique autour de l'entraînement, elle nous a juste aidé à patcher. Donc, elle ne nous permet pas de progresser, mais elle nous permet de combler un peu des carences qu'on pourrait avoir. Donc, ça devient aussi quelque chose de super important. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais aborder aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un petit délai avec le chat. Donc, vous pouvez m'écrire en clavardage ou encore, bien, vous pouvez m'écrire un courriel ou sur Messenger. Puis à ce moment-là, je pourrais, ça me fera plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions si jamais je suis en mesure de le faire. Donc, au final, est-ce que les suppléments, c'est bon ou pas bon? Bien, la réponse, c'est bon et c'est pas bon. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. C'est quoi l'orientation de notre cheminement? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en utilisant des suppléments? Qu'est-ce qu'on veut briser comme barrière? Sinon, les suppléments qui sont certifiés NSF, bien, sont sécuritaires tant qu'on en fait un usage qui est paramétré, donc qui respecte les recommandations qui sont indiquées dessus et qu'il n'y a pas de conditions médicales particulières ou encore qu'il n'y a pas d'interaction avec des médicaments. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à demander à un pharmacien, une pharmacienne pour s'assurer que bien, la prise de tel produit, est-ce que ça peut avoir des interactions avec des médicaments que je prendrais. Des bons pharmaciens et pharmaciennes vont vous répondre adéquatement. Des moins bons vont vous dire que les suppléments, c'est dangereux, c'est pas bon, etc. Donc, déjà là, quand quelqu'un vous répond d'emblée ça, ses connaissances en matière de suppléments, c'est plus à l'étape de préjugement ou des connaissances partielles. Donc, quand la personne va approfondir, va nuancer son discours, bien, là, on peut voir que la personne a une connaissance un peu plus importante là, du milieu. Là. Il n'y a pas tout du mauvais. Il y a des produits qui sont excellents. Il y a des produits qui sont certifiés, qui sont de très, très bonne qualité.
L'autre élément, faire attention, j'en parle, puis je vais être encore inondé de messages à propos de ça, mais les SARMs, donc c'est l'évolution, si on veut, des anabolisants, c'est des produits dopants, c'est des médicaments. Donc, ce n'est pas en vente légale, j'en ai parlé à plusieurs reprises aussi. Les SARMs, on ne peut pas acheter ça légalement pour améliorer les performances humaines. C'est pas ça. Donc, si le produit vous est vendu pour améliorer vos performances, améliorer votre composition corporelle, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas faire ça. C'est des médicaments qui sont la plupart du temps issus du marché noir. Le problème, c'est que ces produits-là sont relativement peu coûteux et qui peuvent être facilement dissimulés dans des produits, dans des suppléments. Donc, on a un risque un peu plus important maintenant d'avoir une contamination au niveau des suppléments avec des produits dopants. Avant, avec les anabolisants, ça revenait un petit peu cher parfois pour les contaminer. Donc maintenant, je vous dirais qu'il y a un risque un peu plus élevé, entre autres avec l'ostarine, d'avoir des suppléments assez chers. Donc les suppléments les moins chers, il y a moins de risques. Mais les suppléments les plus dispendieux, il y a un risque un peu plus important qu'il y ait une contamination avec ces produits-là. De là, l'importance d'avoir la certification NSF qui va s'assurer que ces produits-là ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, ben, ça fait le tour. Donc, je vais recommencer à peu près soit à la semaine ou aux 2 semaines à faire des balados. Je vous invite à m'envoyer les sujets qui vous intéressent, questions et compagnie. Je peux l'aborder à travers un balado, ça me fera plaisir de le faire. Puis sur ce, ben, je ne prendrai pas plus de temps de votre fin de semaine. Puis, je vous dis fort probablement la semaine prochaine.